Hey, salut tout le monde, c'est ML de Géant, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Halloween Challenge. Et dans cet épisode, ouh, de la canne à sucre, vas-y, donne, donne, donne. Dans cet épisode, on va pas sortir dehors parce que ça fait un moment qu'on sort dehors. On va pas aller dans le Nether non plus. Alors, par contre, il faut que je pète ça, voilà. On va tout simplement, alors déjà, retirer tout ça. Voilà. Et retransformer ça en terre classique. Allez. Voilà, tac, tac, tac. Allez, vas-y, s'il te plaît. Voilà. Ici, c'est des patates, on n'en voulait pas, parce qu'ici, on avait dit qu'on mettait uniquement de la canne à sucre, pour en avoir vraiment plus. On va partir miner, on va rechercher encore du diamant, parce qu'il va nous en falloir vraiment du diamant, parce que grâce à cette magnifique pioche, on peut récupérer du granit, de la diorite et de la cobble directement en l'état. Donc, vraiment très intéressant d'avoir ça. Et je vais... Tac, tac, tac. On peut récupérer aussi les minerais tels quels. Donc minerais de d'or, il va falloir que j'en récupère masse pour pouvoir essayer de me faire une pomme de notch. Si on peut, hein. Sinon on ne fera pas. Et on est parti. On va repartir en minage opti et chercher un coin tranquille. Donc là on a quelle couche? Couche 10. Et on va partir par là. On est fou. Par contre... Oh non, je vais continuer à miner avec ça. Hein, la pioche en diamant sera uniquement pour les ressources. Donc le charbon, pour l'instant, on s'en moque un peu. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fer, l'or et le diamant. Lapis-lazuli, j'en ai pas mal pour pouvoir faire des enchantes plus tard, donc ça va. Le bois, j'en ai. De la canne à sucre, ça pousse. Ça me servira à faire du papier pour pouvoir faire des livres après. Donc tout va bien pour l'instant. Mais clairement... Ça prend du temps. Et on est à 4h33 de partie. Redstone. Alors, redstone, par contre, je crois que ça sert à rien de miner avec la pioche en diamant de toute façon. Donc, on mine avec la pioche en fer. Ça va très bien. Redstone, ça me permet d'avoir de l'XP. Oh! Intéressant. Voilà. Il y a de la lave pas loin. Je sais pas où, mais il y a de la lave pas loin. Wow! Là, il y a une bestiole. Voilà. Là aussi, tiens. Tiens, saloperie. À la mano. Tiens, saloperie. Là aussi, ouais. Je préfère taper avec la pomme de terre pour éviter de gaspiller. Oh! Du fer. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, regardez bien. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode précédent. Oh, déjà, il y a une grotte. Ouh, classe. Le fer, on peut le récupérer tel quel maintenant. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. Ok. Alors, par ici, on a un lac de lave. On a du lapis lazuli. Encore du fer. Donc, on va re-récupérer le fer. Par là-bas, ça va pas plus loin, donc pas la peine. Ok. Yes, yes, yes. Du fer, du fer, du fer. Hop. Non, c'est bon, il n'y a pas de lave. En avance. Lapis lazuli m'intéresse. Même si j'en ai beaucoup, c'est toujours bon à prendre. Redstone, évidemment. Viens là. J'ai vu encore du fer. Ouais, là-haut. Ok. Alors là, concrètement, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est l'or. Hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'or maintenant. Donc ça va être assez compliqué de trouver de l'or, parce que c'est l'une des ressources qui est la plus difficile à trouver après le diamant, bien sûr. Enfin, je trouve personnellement, à chaque fois que je vais miner, trouver de l'or, c'est pas ce que je trouve en premier, quoi. Ok, redstone. Là, une grosse partie de redstone aussi, là. On récupère... Ouh, c'est des gros orages, dis donc. On a du fer aussi, là. On va prendre, on va prendre. Et on ressortira peut-être en fin d'épisode. Hein? Peut-être en fin d'épisode on ressortira dehors. Ok, ici il y a une bestiole, sûr. Ok, c'est refoutu dans le bloc, très bien. Comme ça tu me fous la paix. Ok, bon bah il n'y a rien d'intéressant en fin de compte par ici. Enfin si, il y a eu un peu de minerai mais pas des masses. On va continuer tout droit. J'ai récupéré 30 minerais de fer. Ça va. J'ai de quoi me refaire un stuff en fer si je veux.
Nos soucis. Mais ce qui m'intéresserait vraiment, c'est l'or et le diamant. On va chercher toujours plus loin. Alors, je suis tout à fait conscient que certaines personnes n'apprécient pas ce genre d'épisode où finalement, on part miner comme ça, comme deux cognos, toi et moi, quoi. Et puis on galère un peu. Mais bon, le problème, c'est qu'on peut pas faire grand-chose d'autre hein, dans cette série, hein, concrètement. Oh, lac de lave. Ok, est-ce qu'on va avoir des choses intéressantes ici? Non, il n'y a pas. Ça a pas l'air de déboucher sur une grotte, donc forcément pas grand-chose d'intéressant. On éclaire un petit peu tout ça. Voilà, et ici il y a du fer. Arrivé à un moment, le fer, je le prendrai plus. Hein. Tellement que j'en aurai. Alors, je suis à couche 10, donc il faut que je remonte de 2 là-bas. On va continuer à aller tout droit. Hein. Tac, 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 tac. Ok. On continue. Oh, j'entends un squelette. À moins que ce soit. Ah, je sais pas si c'est le fond sonore ou quoi. Je pense qu'on va miner jusqu'à ce que ma pioche en fer tombe en rade. Vu que du fer j'en ai à foison maintenant, il n'y a pas de problème. Hein, je peux utiliser mes outils en fer. Les outils en pierre, c'est fini. Ah ouais, mais ça c'est chiant. Ok. Là aussi, ouais. Ok. Très bien. Là aussi, bah ouais. Sinon, c'est pas drôle. Allez, la patate. Tu as mangé un bout d'ailleurs avant qu'on t'attaque et que tu perdes de la vie et que tu régènes pas. Meurs. Nice. Par ici, y a plus rien. Ok, on peut réavancer tranquillement. J'entends de l'eau. Non, c'est mon imagination. J'entends de la lave à droite en tout cas. Et à gauche aussi, maintenant. Par contre, aucun minerai. Hein. Oh. Joli. Ça, c'est good quand tu tombes sur des grands lacs comme ça. Mais c'est con parce qu'il n'y a pas de grotte. Donc, t'as pas grand-chose. Il est assez vaste quand même le lac, donc on peut espérer trouver peut-être quelque chose dans le fond. Ah, il va très loin hein, même. Si on peut trouver une grotte dans le fond, ça m'irait, hein, parce que franchement, je préfère explorer en grotte que explorer en minage opti. C'est chiant le minage opti. Ça a toujours été chiant. Ok, alors j'ai vu du fer, on va d'abord aller récupérer. Juste là. Ok. Ça, c'est fait. Voilà. 40. C'est bien. Oh, je pète ma. Oh, ouais. Je t'ai senti arriver, toi. Hein. Ok. Est-ce que ça met. Oh, je vois de l'or. Ça, c'est cool, ça. Ça fait plaisir. Parce que justement, j'en cherche. C'est bon. L'eau m'a pas touché, c'est bon. Ok. Ok, ouais, puis après c'est un cul-de-sac. Alors, on va d'abord vérifier s'il n'y a pas de lave en dessous. Non, ça n'a pas l'air. Bon, j'ai intérêt à faire gaffe parce qu'il peut y avoir de la lave sur le côté. Ok, cool. C'est bien, il y en a pas mal. Oh, il y en a vraiment pas mal. Donne-moi ça. Ah, c'est bon, il n'y a pas de lave. On est bien, on est bien. Et en plus de ça, il y a du fer derrière l'or. On est plus que bien. Ok, c'est génial. 5 d'or plus que j'ai, je peux me faire un bloc d'or. Concrètement, pour me faire une pomme de. Non, me touche pas! Oh, il m'a touché. Pour me faire une pomme de notch, il me faut beaucoup plus. Il me faut 9 fois plus, enfin 8 fois plus d'or. Donc, ouais, il y a du boulot. Hein. Lenteur 2, ouais, c'est long. Voilà, c'est bon. Alors, on venait de là. Vu qu'on va tout droit, cette fois-ci on va aller à droite. On est où là? Extreme Hill. C'est vrai que Extreme Hill c'est pas terrible. Oh bah tiens, regardez ça. Si c'est pas beau ce que je viens de trouver là. Parfait. Tiens, tiens. Ça c'est cool. Ça ce genre de lac j'adore. C'est vaste. Tu sais pas où mettre de la tête en fait. Et du coup tu trouves plein de trucs intéressants. Bon pour l'instant je trouve une émeraude là. Je trouve pas d'or, je vois du fer un peu partout, de la redstone aussi. Mais pas grand chose d'autre. Donc bon.
C'est pas non plus la fanfare, hein. Allez. En tout cas, là-bas, il y a une grotte. Peut-être moyen de trouver d'autres choses. Hello, zombie. Comment te vas-tu? Tu vas bien? Merci de déguerpir. Petite fleur jaune, c'est mignon. Je t'ai entendu, le loup. Hein. Tiens et tiens. Voilà. Clac. Bon, pour l'instant, là, il n'y a rien. Fleur jaune, je prends. Ça remonte par là-bas. Ouais, ça remonte par là-bas. Avant, je vais récupérer, évidemment, le fer. Ok. Ouais, ça va loin, le fer. Cool. Et c'est tout. Petite lumière là qui va bien. Encore un peu de fer par là. Nice. Encore du fer par ici. Et les pompiers qui passent derrière moi. T'as mis rien quand j'y pense, le nombre d'épisodes qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, il faut faire le double pour arriver jusqu'à la fin. A chaque fois qu'on récupère un achievement, il fallait faire le double de ce qu'on avait fait déjà avant pour aller plus loin. Ok, redstone, ça je prends. Pas de lave, c'est très bien. Et voilà, maintenant on va monter. Là, il y a pas mal de ficelles, c'est cool, on va pouvoir se refaire de la laine. Je sais même plus si j'avais fait un lit déjà, donc... Ah, c'est vrai que j'avais pas voulu tester les lits parce que ça pouvait me péter à la gueule. Vu que je ne sais pas si ça pète à la gueule ou pas. On teste pas, tout simplement. Je testerai dans un nouveau monde, voir, et puis je vous dirai exactement ce que ça fait quand on a un lit. Parce que si ça se trouve, avoir un lit, ça fait juste passer la nuit temporairement, et quand la nuit retombe, la nuit reste. Je sais pas trop, moi. Mais bon, concrètement, vu que c'est un monde qui reste tout le temps dans le noir, à mon avis, le lit, il explose. Hein. À mon avis. Ok, dans le coin, on n'a pas grand-chose, on va juste... Voilà. Le fer... Oh, de la pisse. Donne-moi ça. Ah, pas mal de la pisse, c'est cool ça. Voilà. Oh, encore. Je suis gâté. Quasiment un stack et j'ai plus d'un stack de fer. Oh, regardez-moi tout ce fer quoi. Oh, c'est l'abondance là, c'est la richesse. J'aimerais bien faire pareil avec l'or. Ok. On va continuer. Du coup, par là-bas. Est-ce que ça monte ou pas? Non, c'est là où je viens de miner. Donc là, faut descendre. Il n'y a pas grand-chose là, ici. Hein. Bon, bah au moins, c'est mieux que rien. Il y a du fer. C'est tout? Ouais, c'est un peu pourri, quoi. Allez, on va continuer. Ma pioche en fer est bientôt décédée. Alors, on vient d'où, par contre? Oh, du fer. Faut que je retrouve de là où on est parti miner. Ok. Avec la pioche en fer, la pioche en diam, pardon. Oh, de l'or. La pioche en diam tient longtemps quand même. Ah mais non, il y en a qu'un là, c'est pas drôle. Hein. Donnez-moi en plus, voilà, donnez-moi en plus. Donnez-moi en plus, encore. Encore. C'est tout. Oh, fuck. Je viens de là. J'avais dit que je partais par là-bas et du coup j'étais tombé sur cette grotte-là. Donc on va partir de ce côté-là maintenant. Puis on verra ce qu'on trouvera. Ah ben regardez ça. Ça, j'ai vraiment de la chance. Hein. C'est vraiment ce que je cherche. Ok, super. Et puis en plus il y en a pas mal. Là j'ai en récupéré suffisamment pour faire un bloc d'or. Pardon. J'ai récupéré 9 minerais. Ça fait vraiment plaisir. Par contre toujours pas de... Toujours pas de diamant en plus. Va être patient, mais... Ma patience a quand même des limites. Hein. Ouais, 17 d'or, ça fait plaisir. Allez, allez. Le diamant, s'il te plaît. Allez, allez. Le diamant. Du fer, on prend. Tac, tac. Un gros filon? Non. Ah si? Non, c'est bon. On peut s'arrêter aussi. Oh, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter quand ma pioche en fer sera décédée, mais aussi quand j'aurai plus de torches. Hein.
Bon, ça craint. Ah, j'aime pas ça du tout. Hey, tu te calmes. Qu'est-ce que j'aime pas ces silverfish? En même temps, je suis dans un biome extrême île, donc faut pas que je m'attende à ce que j'ai. Voilà, mais bon, c'est. Oh, j'ai plus de pioche, j'ai plus d'épée en fer, c'est con ça. Ah, je fais n'importe quoi là. Taillot, 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 taillot. Cassez-vous. Cassez-vous, j'ai dit. Cassez-vous, les bestiaux, là. C'est bon. Oh, il y en a encore, là. Casse-toi. Eh, c'est dangereux, les silverfish. Hein. Bon, ça m'a dégagé une belle petite zone, là. Voilà. Alors, j'entends encore des silverfish, mais bon. C'est pas grave pour ma pioche en diam, de toute façon. Vu comment elle est résistante, je pense que je vais la garder un moment. Je vais y aller jusqu'à ce que ma pioche... Oh, salut les gars. Eh, sérieux, il sort d'où cela? Ok. Encore. Oh, sérieux. Oh, putain. Cassez-vous, là. Pas de diamant, ça me déçoit. J'entends de la lave en tout cas sur le côté. Encore des lacs de lave. Gros lac apparemment, parce que ça fait pas mal de bruit. Hein. Des torches. Pose des torches. Voilà. Plus qu'une torche et on fait demi-tour. On rangera le stuff qu'on aura. On verra où à la canne à sucre elle en est. Ah, voilà un petit lac qui fait plaisir. Ah, j'ai touché, c'est pas bien. De ce côté-là, le lac s'étend... pas des masses. Bon. On va quand même boucher tout ça, hein. Et par là-bas, j'entends un squelette marcher. Non, là, il n'y a plus rien, là. Ok. Ma dernière torche, voilà. Juste regarder par là-bas s'il y a moyen de voir d'autres choses, parce qu'apparemment il y a encore de la lumière, donc la lave n'est pas finie. Ouais, la lave n'est pas finie, clairement. Sauf que là c'est fini, donc c'est bon. Allez. Ok, très bien. Allez, demi-tour. On va ranger le stuff qu'on a récupéré aujourd'hui. Tout est une question de survie. On va se recrafter une épée en fer et on va ressortir dehors. Parce que c'est ce qu'il y a de plus sympa. J'entends encore des silverfish, hein. Ça se trouve il a des pop de son caillou mais il peut pas retourner dans un autre caillou, ce serait assez ballot ça. Hein. Donc ici j'ai pas mal de charbon si j'ai besoin de fuel, sans compter évidemment la lave. Hein. Mais là ça va, hein. Un stack et demi de fer, on est plutôt bien. Je peux me faire une enclume si j'en ai envie. Oh, il y a un arbre qui a poussé, c'est un birchwood. Est-ce que le sapin a poussé ou pas? Non, le sapin n'a pas poussé. Ok. La canne à sucre a bien poussé par contre. D'après ce que j'ai pu voir au loin. Par contre, vu que j'ai pas beaucoup de saplings, j'en ai encore quelques-uns, mais j'ai pas envie de les cramer. Voilà. Merci. Ah ouais, la canne à sucre a bien poussé. Ça, c'est une bonne chose. Et du coup, on va le planter devant. Comme ça, on aura masse de canne à sucre après. Ça a encore pété dehors. Super. Du coup, le reste, c'est cadeau. Tac. Des pages. Mon cuir, il est là. Et tac. Et tac. Et un bouquin. Voilà. Ça fait plaisir. Premier bouquin. Bouquin, on va le mettre avec la bouffe, même s'il a rien à foutre là-dedans. Ça, ici. La redstone, je peux encore en faire des blocs parce que j'en ai récupéré de la masse. J'ai peur que à la dernière heure de jeu, il y ait vraiment trop de trucs hardcore. Hein. J'ai peur. Hein. On verra, mais... J'ai un mauvais pressentiment.
Voilà, alors maintenant je peux cuire tout ça avec mon seau de lave. On va balancer le seau de lave ici et on va cuire en premier l'or. Donc par contre le problème c'est que je suis obligé de rester à côté. Je suis obligé de rester à côté du four, malheureusement. En attendant, je vais ranger la stone que j'ai récupérée. C'est bon ça, on en récupère pas mal. Ça, je le garde avec moi. On peut se crafter. Tac, des blocs. Boum. Et boum. Ok. Bien joué, pour ouvrir un coffre, c'est pas très évident de faire ça. Tiens, je vais recrafter des blocs avec ça. Voilà. Tac. Stone. Le bois là-dedans, la ficelle j'en ai récupéré beaucoup, donc c'est bien. Il faut que je me recrafte, tac tac tac, une pioche, tac tac, une épée. 1, 2, 3, voilà. Ça cuit, ça cuit? Ouais, ça cuit, ça cuit. Tac tac. Alors, boum et boum. Tac, pouf, pouf, pouf. Voilà, super. Allez, cuit, cuit, cuit. Ça poussera pas, je pense. Ça ne poussera pas. Mais du coup, pour récupérer d'autres birchwood, soit je me casse la tête à faire un gros trou, et du coup ça poussera. Ouh, petite musique. Soit je me casse la tête à faire un gros trou, et du coup l'arbre pourra pousser, et je peux tranquille à le miner chez moi. Soit je retourne dehors et je vais rechercher d'autres. Voilà. Alors. Là, on peut commencer à se faire. D'ailleurs, que je vérifie si le craft n'a pas été changé. Mais je crois que ça, c'est juste une pomme classique. Ouais, c'est juste une pomme classique avec absorption. Donc, pour les pommes de notch, c'est vraiment les blocs d'or. Et pour les blocs d'or, il nous faut. Tac, voilà. Ouais, il y a du taf, il y a du taf. Donc, je vais attendre un petit peu. En attendant. J'ai fait le con, j'ai appuyé sur le bouton pour lancer le rec et au final ça l'a coupé. Bravo, bravo ML2G. Hein. Vous avez rien loupé hein, parce que je m'en suis rendu compte dès que j'ai cliqué sur la touche, donc ça va. Et qu'est-ce que j'étais parti? Ouais, j'étais parti pour récupérer mon blé. Tant qu'à faire, on a que ça à faire. Voilà. C'est vrai qu'ici j'ai intérêt à faire attention parce qu'il n'y a pas d'hydratation. Donc il y a de la lumière donc ça va mais il n'y a pas d'hydratation. Faut que je fasse attention à ça. Alors, tac. Et du coup avec ça on peut se faire en plus d'autres blocs de décoration. Des blocs de paille, si on le veut, si on le veut. Pour faire de la déco encore. Hein. Ça poussait là-bas? Non. Où est-ce que ça en est? Ok, il en reste 4. Bah tiens, je peux me refaire un bloc. Donc ça fait 18 déjà d'or que j'ai. Et plus 4, ça fait 22. Plus 64, ça fait 86. Ouais, donc il va falloir que je mette un petit peu plus de d'un stack de fer pour cramer le seau. Allez, 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 allez. Tac, boum. Voilà, c'est bon. On va le laisser cramer ces trucs maintenant. Je pense que je vais le laisser de côté. Nous, on va ressortir dehors. Oh, quoique. Ah, attendez, est-ce que j'ai assez de bouffe là? Je vais prendre ça avec moi au cas où. Hein. Le seau, j'en ai pas besoin. C'est full, archi full par ici. Ça, je vais le mettre là. Ça avec les fleurs. Voilà. Et du coup, très rapidement, on va ressortir. Hein, il nous reste un peu de temps. Ouais, quoi qu'il nous reste 5 minutes, on va pas sortir. On va pas se prendre la tête à sortir. On se prendrait la tête à sortir plus tard. Donc en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en 5 minutes, on peut... Creuser peut-être un peu plus haut. À quelle couche là? 28? Ouais, on peut creuser carrément plus haut si on veut pour pouvoir faire pousser 4, un gros arbre. Donc je pense que le portail, je vais carrément le dégager aussi, hein, vu que maintenant que je peux récupérer facilement l'obsidienne.
Et espérons qu'à cette hauteur ce soit bon. D'ailleurs, il y a encore du fer dans le coin. Allez. En ce moment, j'arrête pas de miner. Hein. Même dans Ragnablock, Ragnablock, j'ai fait un putain de trou là. Bon, j'avais Ast 2, donc ça a été plutôt rapide. Là, Ast 2, je ne l'ai pas. Donc, faut que je fasse avec ce que j'ai. J'utilise ma pioche en diam parce que je sais qu'elle va durer longtemps. Donc autant s'en servir. Voilà. D'ailleurs, oh, mes genoux. Récemment, il y a un truc qui m'a énormément déçu vis-à-vis d'un gros youtubeur que je ne citerai pas. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez de qui je parle, mais sinon je ne le citerai pas. J'étais très 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 déçu par cette personne là parce que c'est une personne que j'apprécie, qui fait du très bon travail. Ses vidéos sont vraiment excellentes, peu importe les vidéos qu'il fait, hein, elles sont sympas. Et le souci, c'est que cette personne là bon, c'est pas lui qui a fait les montages, donc il n'est pas directement visé, mais il a validé sa vidéo pour qu'il puisse la publier, donc c'est lui le patron, c'est lui qui gère. Le truc, c'est qu'il a utilisé une musique qui ne lui appartient pas, qui appartenait à un ami, enfin qui appartient, pas appartenait, qui appartient à un ami. Et mon ami, justement, n'a eu aucun message demandant si le joueur du grenier avait le droit. Voilà, je l'ai cité, tant pis. C'est le joueur du grenier, donc du coup c'est une vidéo du joueur du grenier. Hein. C'est sorti tout seul, hein, mais bon, tant pis. C'est le joueur du grenier qui a fait une vidéo et qui a utilisé une musique de Benjo Gaioli. Voilà, autant dire les noms, comme ça il n'y a pas d'amalgame. Sauf que Benjo Gaioli n'a reçu aucun message de la part de l'équipe. Et je parle bien de l'équipe, je parle pas du joueur du grenier en particulier, c'est l'équipe qu'on parle. N'a reçu aucun message de l'équipe lui demandant la permission d'utiliser une de ses musiques sur une de ses vidéos. Alors évidemment, Benjo Gaioli, c'est un mec hyper sympa. On lui aurait posé la question, il aurait dit aucun souci. Moi-même, je lui ai posé la question si je pouvais utiliser ses musiques pour mes Wix vidéos et peut-être des timelapses Minecraft. Il m'a dit aucun problème. Il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Donc du coup, à chaque fois que j'utilise ses musiques, je le crédite. Ça m'arrive des fois d'oublier de créditer. Hein, ça arrive à tout le monde d'oublier. Sauf qu'en règle générale, quand j'oublie et qu'on me le rappelle, forcément derrière, je rattrape le coup et je mets le lien dans la description tout le temps. Hein. Mais c'est vrai que des fois j'oublie parce que j'ai pas... Voilà, je pense pas à tout. Du coup, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment déçu de sa part parce que... Voilà, ça reste un gros youtubeur et du coup, cette personne-là, Benjo Gaioli, mérite quand même... mérite un crédit sur la musique qui a été utilisée sur la vidéo du joueur du grenier. Voilà. Donc, quand on dit que la célébrité ça monte à la tête, moi je me suis toujours dit que si demain j'ai 150 000 abonnés, enfin 150 000, c'est un petit chiffre hein, par rapport à. Un petit nombre, pardon. Par rapport aux gros youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui. Mais honnêtement, 150 000, déjà je serais complètement fou parce que 150 000 c'est gigantesque comme nombre. Mais c'est pas pour autant que je perdrais pied quoi. Je resterais humain malgré tout et je resterais proche des personnes qui je côtoie aujourd'hui. Donc bon. Bref, je serais peut-être moins présent pour parler un peu de tout et n'importe quoi avec tout le monde. Parce que là, quand on vient me parler en commentaire sur les réseaux sociaux et tout ça, je suis plutôt du genre à rester à discuter avec les personnes. Mais concrètement, arrivé à un certain stade, bah, tu peux pas quoi. T'as du taf à faire quoi. Quand je parle de taf, c'est tes vidéos, ta vie IRL et tout ça et tout ça. Bref, c'était le petit blabla pour qu'on puisse arriver à 5 heures de jeu. On est arrivé à 5 heures de jeu. Je termine de déglinguer cette partie du plafond et on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Bon, il n'y aura pas eu grand chose à part du minage. Récupérer pas mal de minerais, mine de rien. 2 blocs d'or. C'est cool. Il nous en reste 6 à avoir. Pour pouvoir se faire une pomme de notch et pour pouvoir espérer aller dans le nether. Le problème, c'est que pomme de notch, je crois que t'as pas de. Comment ? Déjà, je vais essayer de faire pousser ça. Pour voir si ça pousse. Ouais, ça pousse. Ok. Ok, mais il fallait clairement avoir un petit peu plus d'espace en hauteur. Bon, bah je... Voilà. Ça c'est fait. Non, pas ici. Là. Bon, on s'arrête là les amis. J'espère que cet épisode, encore une fois, vous aura plu. Au prochain épisode, on verra ce qu'on fera. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye.